two. One, two, three, four. Ok? Ça marche? On essaye ça? L'Astrolabe s'occupe de faire le lien, on va dire, entre les écoles et entre les artistes qui interviennent ici, donc qui sont du coup Jérôme et puis Thomas. Et puis voilà, en fait, il y a des réunions en début d'année, présentation des ateliers, des types d'ateliers qu'il peut y avoir. Et puis après, c'est faire le lien entre les écoles et puis la ligne de l'enseignement qui suit aussi le projet derrière. Là, on a deux écoles complètement différentes, donc une à Dauphine, une à La Source. Donc c'est des enfants qui sont aussi différents, qui habitent un quartier différent et qui sont plus ou moins mélangés, plus ou moins de mixité. Mais à chaque fois, c'est des choses intéressantes parce qu'ils ont des choses à dire. Mais les enfants sont toujours pareils, il y a des timides, il y en a qui sont... Il y a des coquins au fond de la classe qu'on essaie de recadrer. C'est ça qui est intéressant, justement. Tout a été très efficace tout le temps, c'est-à-dire que les enfants se sont jetés sur ce travail vraiment avec tout leur cœur, et puis ça a été une rencontre entre eux et les musiciens qui s'est vraiment faite un espèce de coup de cœur pour des deux côtés, et ça a donné quelque chose que j'ai trouvé très réussi. C'est pour la danse, c'est ça que tu veux dire? Tant que vous vous arrêtez bien à la fin, ça suffira. 1, 2, 3, 4. Je lis mon refrain sans dire. Oui, tu vas à ce moment-là. On essaie de d'amener une couleur, un style musical différent. Et puis on fera peut-être du bal musette l'année prochaine, je sais pas en fait, on est en train d'y réfléchir. Mais il y a tellement de groove dans le bal musette qu'on résiste pas. J'avais pas eu la boule au ventre. Non. Jérôme, il était bien, il a bien fait la guitare comme ça. Merci.